porte des champs. Je vois que tu sais reconnaître un bon produit. Bienvenue sur mes Vous entendez? Je suis en train de détruire des mensonges. Voilà ce que vous entendez. De très vilains mensonges. Ils disent que cette dimension est instable, que nous sommes aspirés par un vide informe. Ah, c'est faux! Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous ordonne de jeter vos yeux dans l'incinérateur le plus proche, car ils sont clairement défectueux. Et surtout, les vandales lombax ne se sont pas échappés. Pour cela, faudrait déjà que je les ai attrapés, bande d'idiots. Tiens, vous voulez de la vérité? La prime pour les lombax passe désormais à 27 plus millions donnés par Youble. Regardez-moi ça. C'est énorme. C'est vrai. Absolument pas inventé. Et tout ça, c'est pour vous si vous arrivez à m'attraper. Ces maudits Lombax. Le docteur Nefarious ne reculera devant rien pour nous attraper. On ferait mieux d'y aller. J'espère que le réparateur réparera notre quartz phasique. Si quelqu'un peut fabriquer un nouveau dimensionnateur, c'est bien Ratchet. Et c'est parti! Cette mission n'aura rien de très compliqué. Je sais pas comment c'est dans ta dimension, mais ici, les choses ne sont jamais simples. Quand on veut survivre, faut savoir improviser très rapidement. J'ai un certain talent pour l'improvisation. Cool, j'ai hâte de voir comment tu t'en sors. Allons donc faire réparer notre quartz phasique. J'espère que le réparateur est aussi doué que le prétendent les morques. Oui, je l'espère moi aussi. Ah.
Le pont est vraisemblablement hors service. C'est sûrement le résultat d'une attaque. Les endroits de ce genre sont bien souvent la proie des bandits. Ou des pirates. Peut-être qu'un des vulards en ville pourra nous renseigner. Ils connaissent très bien les environs. J'espère qu'ils sont plus accueillants que les vulards de ma dimension. Allons donc faire réparer notre quartz phasique. J'espère que le réparateur est aussi doué que le prétendent les morques. Oui, je l'espère moi aussi. Le pont est vraisemblablement hors service. À tous les coups, c'est le résultat d'une attaque. Les endroits stratégiquement sensibles de ce genre sont bien souvent la proie des bandits ou des pirates. J'espère qu'ils sont plus accueillants que les vulards de ma dimension. Allons donc faire réparer notre quartz phasique. J'espère que le réparateur est aussi doué que le prétendent les morques. Oui, je l'espère moi aussi. Le pont est vraisemblablement hors service. À tous les coups, c'est le résultat d'une attaque. Les endroits stratégiquement sensibles de ce genre sont bien souvent la proie des bandits ou des pirates. Qu'un des vulards en ville pourra nous renseigner. Ils connaissent très bien les environs. J'espère qu'ils sont plus accueillants que les vulards de ma dimension. Il était très bien caché. Veuillez m'excuser. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire où trouver le réparateur? Ils prennent leurs précautions, c'est tout. Pas le temps de bavarder! On doit se barricader avant la prochaine attaque! Allez-vous-en! Ne faites pas votre nièce stupide! Que les Si j'étais le réparateur, où est-ce que je serais? En train de réparer des choses? Besoin d'une coupe? Le disco zigzag est en stock! Oh! On n'a jamais trop de puissance! Alors là, ça va sacrément déménager. Désolée, pas de cellule ouverte.
pourras l'améliorer quand tu l'auras fait changer de niveau. À ton service, mon chou. Terroriste ? Oh, bienvenue sur le joyau de notre galaxie. Passez un excellent séjour. Savez-vous que chez nous, Molodot signifie paradis. Le réparateur est sur cette planète ? Bien sûr qu'il est ici. Un type génial, sympa et célibataire, si l'un de vous deux est intéressé. On nous a dit qu'il pouvait réparer du quartz phasique. Quartz phasique. Il répare tout et n'importe quoi. Mais, on avait un petit problème de pirate et on lui a demandé de l'aide parce que c'est un grand costaud, mais après leur avoir mis une raclée pendant des jours, il est tombé en panne. Peut-être pourrions-nous le réparer. Je suis sûr que vous le rafistolerez en une minute polonaisienne. Mais le chemin jusqu'à lui a été détruit lors du dernier raid des pirates, alors il vous faudra un catapulteur. Oh, et j'en ai vu un dans la fonderie un peu plus loin. Vous en avez de la chance. Alors, quand tout sera fini, Ratchet et toi, vous irez dans la dimension des Lombax ? C'est possible, mais Ratchet semble hésiter. Il a peut-être peur que... Attends, il a peur ? Et de quoi ? C'est un peu compliqué. Ah ! Eh ben, s'il veut pas y aller, moi j'irai. Il n'y a aucun moyen d'y aller. Place à l'impro, très cher. Tout à fait. Ce nom ne m'inspire que moyennement confiance. Mais nous devrions en trouver un à la fonderie. Attention! Attention, un autre! Comment est-ce qu'un catapulteur a pu se retrouver dans une fonderie? J'imagine que c'est à cause du rappel de produits qu'il y a eu récemment. Il y aurait un risque élevé de lésions irréversibles. Oh,
Non. En douceur. Là, une faille. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Très impressionnant. Ça ne s'arrête plus. Le système de rail me semble extrêmement dangereux. T'as intérêt à bien t'accrocher. Ça va nous conduire droit à la fonderie. J'ai bien peur que cela nous conduise droit dans la fonderie. Le réparateur est déglingué. Regardez maintenant, ça c'est spécial. Quelque chose me dit que ce truc est crucial. Je vois que le destin nous réunit une fois de plus, ma petite Rivet. Faut croire que ça lui plaît au destin de me voir te botter le derrière. Non ! Yo-ho ! Mes braves matelots, à l'attaque ! Oh non, ces pirates viennent piller la fonderie. Ils ne prendront pas cette hauteur. Il serait judicieux de se placer en hauteur. Bonne idée. Nous avons bouclier, Matelot. Oh, des boucliers. Il va falloir faire preuve de créativité. Je n'arriverai pas à passer mon bouclier. Encore des boucliers. J'adore ton style, Rivet. Mais tu aurais vu le réparateur à l'œuvre. Quel sang! Il en avait marre des campagnes palabrées. J'aurais tant aimé que ce soit le cas, mais non. L'origine de la panne du réparateur me marque moins mystère. Je reconnais quand même que ça m'a rendu. On devrait pouvoir libérer le catapulteur de la grue.
Molonoth est une décharge à ciel ouvert. Qu'espère-t-il trouver au juste? Moi, je trouve que c'est l'endroit parfait pour dénicher un trésor. Pas mal, tous les deux. À l'abordage. Nous sommes censés danser. Alors là, pas question. Ce sera pas si facile de te couler.
attaquer. Vous êtes sûrs? Oui. Je propose de quitter le navire. Proposition acceptée. Bien joué, Boulon. J'espère que j'en ai fini une bonne fois pour toutes avec les pirates. Je vois que tu sais reconnaître. Utilisons le catapulteur pour atteindre notre cible. Je dois bien avouer que je m'attendais pas à ce que le réparateur soit un robot géant. Peut-être que quand il n'a pas affaire à des pirates, il se montre plus amical. Un robot géant amical, ce serait bien une première, mais pourquoi pas? Une autre pose dimensionnelle? Ça dit quoi? Ça pourrait être marrant. Je peux me laisser convaincre. Une dernière balade à dos de scarapie, peut-être? Bizarre, mais fascinant. Allez, maintenant, direction le réparateur. On y est presque. Ah, c'est là, Léna. Ta préférée est de réparer le réparateur. Comme si on allait la laisser faire. Ah, tu veux regretter de nous avoir forcé à saborder notre propre vaisseau. Balle la gueule, maintenant. Allons, Max. Tu pourrais changer d'angle. Tac, on t'approche. Bon, ainsi. Ah! Vous voyez. Ça va durer encore longtemps, ok? Moi, j'attends que tu descendes et que tu m'affrontes face à face. Ah, il fallait bien sortir l'artillerie lourde contre nous! Parce que toutes les êtres fous pour pouvoir réparer le réparateur. Pardon, tu disais quelque chose, Pierre? J'avais déconné. Comment vais-je pouvoir tenir le coup sans ma pire ennemie? M'approche, je me débarrasse de moi. Quoi est ton adorable sac à dos? Vous n'avez aucune chance contre nous. Adorable sac à dos.
se reproduire. Il s'avérait que le quartz phasique était irréparable. Eh ben, on serait dans de beaux draps. Mais inutile de s'inquiéter avant de savoir. Ah, je me sens si vexé qu'excité. Hissez le pavillon et passez les autres. Il faut absolument qu'on les arrête. Ça saignerait pas. Il s'avérait que le quartz phasique était irréparable. Eh ben, on serait dans de beaux draps. Mais inutile de s'inquiéter avant de savoir. Réparer le réparateur. Dans un premier temps, on va le mettre en marche.
A-t-il été éteint parce qu'il était défectueux? J'imagine que c'est l'interrupteur du réparateur. Bonjour. Est-ce que... ça va? Non, je suis défaillant. Tout est défaillant. Je ne peux plus rien réparer. J'ai peut-être une idée. Je t'écoute. Je suis défaillant. Je ne peux ni réparer, ni être réparé. Tombe pas, tombe pas, tombe pas. Mais je reste moi. Je suis toujours Clank. Tu m'envoies soulager. Quand les Vullars m'ont demandé de les protéger, j'ai pris conscience de l'existence de nombreuses défaillances. De tant. Ce qui vous a perturbé. Mais être capable de réparer autrui, de voir que tout n'est pas perdu. Comment puis-je vous témoigner ma reconnaissance? Pouvez-vous réparer ceci? Merci. Vous venez de redonner de l'espoir à un vieux robot géant. C'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Et si on retournait au vaisseau maintenant? Oui, j'espère que Ratchet n'a pas eu autant de mal à fabriquer un nouveau dimensionnateur. Au fait, t'es au courant que tu m'as sauvé la vie sur ce coup-là? Qui? Moi?
Oui, toi. T'as l'étoffe d'un héros, même dans ma dimension. C'est... Merci, Bette. Prends ton temps, chouchou. Et prenons avec les supports. Merci d'avoir réparé votre réparateur. Je vais faire réduire la main. Et si on allait à l'arène? Mes armes ont besoin d'être renforcées. C'est un océan. Ça en jette, hein? Et en plus de ça, une fois qu'on aura construit l'engin et sauvé la dimension, tu auras tout un univers à explorer. Tu n'as donc jamais peur de l'avenir? Et de toutes ces inconnues? Si, ça m'arrive de... Oh. Sur Savali, tu m'as demandé si je voulais retrouver ma famille. Ça a été le cas, pendant un moment. Je voulais vraiment les retrouver. Mais plus je me rapprochais de mon but, ils ne sont peut-être pas comme je les imagine. Ou alors, c'est moi qui suis différent de ce qu'ils imaginent. C'est juste... Enfin bref. Je crois qu'on arrive. La station Kedaro est le centre de recherche secret où se trouve la seule forge à rubion assez puissante pour fabriquer le dimensionnateur. Si je comprends bien, on n'a pas droit à l'erreur. C'est bon à savoir. Loué soit l'empereur! Notre ration de cubes de protéines est arrivée! C'est le Lucas! Loué soit l'empereur! Activation du verrouillage! L'ascenseur descend. Eh ben, j'espère que c'est pas le seul moyen d'entrer dans la station. Par l'entrée principale avec ce verrouillage. Explorons les environs. Il y a forcément une autre entrée.
cette amélioration va te plaire. Cette arme a un besoin urgent d'amélioration. On dirait du blison, un élément permettant de stocker de l'énergie. Mais pourquoi est-il aussi violet? Probablement à cause de tout ce chaos dimensionnel, tu ne crois pas? Je le savais, le blison a dû absorber l'excédent d'énergie libéré par le chaos dimensionnel. Nous avons basculé dans une autre dimension. Une dimension abandonnée à ce que je vois. L'ascenseur est là. Moi non plus, je n'ai jamais rencontré ma famille. Sauf si on compte l'empereur, bien sûr. Mais dans ce cas, je doute qu'on puisse faire pire. T'as sûrement raison. Mais même si les Lombax sont la meilleure famille de l'univers, ce qui m'embête, c'est que je risque malgré tout de les décevoir. Toi ? Mais tu es un héros. C'est vrai que j'ai réussi à vaincre deux ou trois méchants, mais eux, ils ont inventé tellement de trucs incroyables. Tu te sous-estimes, Ratchet. Je sais pas, peut-être, mais j'ai une super vie dans ma dimension, Kit, et je voudrais surtout pas la perdre. Maintenant que j'y pense, si la station Kedaro existe dans cette dimension, ça veut dire qu'on trouvera aussi la forge à Rubion, non? C'est possible, mais tout est délabré ici. Elle ne fonctionnera peut-être pas. Mais si on trouvait un autre cristal de blison, on pourrait retourner dans l'autre dimension.